Je l'ai. Et maintenant. Souhaites-tu me parler de Sigrun? Elle avait hâte de te recevoir il y a quelques jours. Pourquoi ce changement? Oh, ne fais pas semblant de t'intéresser à ma vie sentimentale, mon frère. Je suis sincèrement intéressé et tu évites ma question. Que s'est-il passé? Eh bien, quand tu m'as déposé chez elle l'autre soir, Sigrun avait préparé un gâteau à la noisette et à la plaque bière. Bien sûr, je ne mange plus, donc c'était gênant. Mais l'intention était louable. Et... C'est à peu près tout, je t'assure. Tu me caches quelque chose. Ah!
Deux combats à la suite, le Valhalla est de plus en plus exigeant. Ah, on a gelé! Sur ta droite! Ça doit faire mal, mon frère. Tout va bien. Sur ta gauche. Derrière toi. Sans que d'autres adversaires dans son genre vont suivre, et c'est ainsi que nous gagnerons le droit de progresser. Bien, la voie vers la zone la plus élevée doit être ouverte.
Les bifrost partout. Félicitations, l'ami. Tu gagnes véritablement ta place au Valhalla. Où est Mimir? Est-ce vraiment là tout ce que tu trouves à me dire? Après tout ce temps, pas même un petit bonjour pour l'une de tes victimes les plus bénéfiques? Bonjour, Helios. Où se trouve Mimir? Comment le saurais-je? Si nous allions le chercher... Alors, quoi de neuf, Kratos? As-tu massacré un panthéon intéressant ces derniers temps? As-tu dévasté une population à travers les conséquences désastreuses de tes actes? Ou bien trahi d'anciens alliés fidèles? Il faut absolument que tu me racontes les derniers développements de ton épopée sanguinaire. Ce n'est plus ce que je suis. Ne me dis pas que tu t'es ramolli. Je ne te crois pas. Spartiate un jour, Spartiate toujours. Je ne suis pas dupe, Kratos. Tu sais ce qu'on dit? Il n'y a rien que l'ombre puisse cacher aux dieux du soleil. Du moins, c'est ce qu'on devrait dire. Le décor est un peu plus familier, tu ne trouves pas? Une puissante chaîne, c'est toujours de bon augure. Les chaînes t'ont toujours porté chance à toi.
Ça va se passer à merveille pour toi. J'en suis convaincu. Oh, nous y voilà. De retour chez nous. Enfin. Cette salle doit certainement te rappeler des souvenirs. N'est-ce pas la chambre sacrificielle où tu as laissé un soldat athénien se faire incinérer simplement pour pouvoir avancer? Oh, quelle folle époque! Ça doit drôlement te manquer. Qu'est-ce que tu fais, Kratos? Tu as l'intention de me sacrifier? Encore? Je crois que tu vas devoir me pousser si tu veux avancer. Oh, waouh! Tu me regardes dans les yeux alors que tu me pousses vers la mort! J'apprécie cette petite touche personnelle. Elle en dit long sur notre relation, surtout après une aussi longue hésitation concernant la marche à suivre. Oh, ce ne sera pas facile de dire à tes amis que tu as dû me sacrifier dans les flammes. Yeah.
Allons, tu n'iras pas très loin sans moi. Je ne voudrais pas te décevoir, sombre crétin. Mais tu te souviens que je suis le dieu du soleil, au moins. Crois-tu que je craigne une petite flamme ? Ne me menace pas avec ce que j'aime, Kratos. Et si je me gorgeais de pouvoir et atteignais ma forme ultime ? Si j'explosais et t'emportais avec moi ? Après tout, tout peut arriver. Voyons voir. Allez, pousse, Kratos, pousse! Allez, sérieusement, Kratos, sors-moi de cette cage! Ça ne fait rire personne! Je ne peux pas croire que tu envisages de m'incinérer sur une intuition! La supposition que c'est ce que le Valhalla attend de toi! T'es-tu jamais demandé si ton instinct n'était pas simplement une succession d'idées farfelues qui te viennent à l'esprit sans raison? Eh bien, pense-y! Et vite! Tu vas vraiment te contenter de m'incinérer et voir ce qui se passe ? Ma parole, tu es toujours aussi résolu. Mon frère ? Qu'est-ce que je fais ici ? Mimir. Mimir. Qu'est-ce que c'est ? Non ! Non ! Sors-moi vite ! Mon frère ! Qu'est-ce qui se passe ? Aide-moi ! J'essaie. Mon frère, vite ! Pitié ! Ne panique pas. Nous allons seulement revenir à la porte. Non, je ne crois pas. Je pense que tu as brisé les rouages du Valhalla. Oh ! Cette fois, c'est la fin, mon frère. Sigrun ! Ma belle, tu prends feu ! Je ne suis pas censée être ici ! Aucun rimédal ! Oh. Oh.
pauvre, regarde-toi. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je guérirai, idiot. Kratos et toi, en revanche. Mais vous ne risquez plus rien. Sigrun, je regrette. J'ai été stupide, je... Plus tard, Mimir. Laisse-moi un instant. Nous avons une dette envers toi. Tout comme j'en ai une envers vous. Madame. Assez. J'ai connu bien pire. Permettez-moi d'en douter, chef. Elle saura me soigner. Cela risque d'être bien. N'abandonne pas, Kratos. Retourne-y. Et fais ce que tu as à faire. Eh bien, tout cela était parfaitement terrifiant. Un instant, je suis dans une forêt, le suivant, me voilà dans une cage enflammée. Tu as laissé place à Helios, puis tu es revenu. C'était imprévisible. Vois-tu, je ne saurais trop dire si c'en est assez ou si nous sommes allés trop loin pour renoncer. Nous n'abandonnerons pas. Je dois aller au bout. Je sais, mon frère. Thank you.
Ah ah, c'est un autre point de commerce avec le Valhalla. Si le Valhalla t'offre son aide, pourquoi t'en priver ? Serait-ce là un nouveau souvenir de ton passé ? Un souvenir dangereux. Yeah.
Tire-moi à droite. Tiens. Un souvenir de Vanheim. Mon frère, je t'en prie, ne te rappelle pas ces plantes explosives. Qu'as-tu dit à propos de cette forêt? Tu te rappelles avoir été ailleurs quand Helios a pris ta place? Oui, je ne l'ai pas mentionné pendant notre chute, mais en effet, j'étais dans une forêt semblable à celle de ma jeunesse, et de retour sur mon corps aussi. C'était comme un rêve. Souhaites-tu y retourner? Je t'avoue que oui. Je suis inquiet, mais encore plus curieux. J'imagine que ma mémoire est une autre proie rêvée ici. Mais je doute qu'ils s'en tiennent aux bons souvenirs, pas vrai? En effet. Je ne serais pas contre une assistance temporaire.